Frida aussi. Oui. Mais je vois que tu as apporté une partition. Oui, je viens d'apprendre cette nouvelle pièce. Je l'aime beaucoup. Écoute. Je crois.
La première question que je voudrais vous poser, savez-vous à qui, par exemple, ce conte, le petit chaperon rouge, était destiné? Non. Non. Ce conte a été destiné à mademoiselle, la nièce de Louis XIV. Louis XIV, mais c'était le roi Soleil! Mais voyons voir, Pierre, vous connaissez bien l'histoire de France, d'après ce que je vois. Grâce à toi, ma chère Fanny. Voilà, continuons à réviser nos connaissances. Donc, Charles Perrault les a écrits pour mademoiselle, donc la nièce de Louis XIV. Et savez-vous comment elle s'appelait? Alors là, pas du tout. Elle s'appelait Elisabeth Charlotte. Et savez-vous où est-ce qu'il a vécu toute sa vie après avoir épousé le prince Léopold? Décidément, non plus. En Lorraine, ce beau pays à l'est de la France. Mais il est plus petit que la Russie quand même! Pierre, mon cher Pierre, bien sûr que c'est plus petit, mais c'est un pays magnifique. Et en plus, j'espère qu'un jour, vous aurez la chance d'aller en Lorraine. Est-ce qu'il y a des ours en Lorraine? Non, Pierre, il n'y a pas d'ours en Lorraine. Mais par contre, il y a la mirabelle. C'est un fruit délicieux. Oui, mais c'est pas un ours. Non. Je te promets, ma chère Fanny, quand je serai un grand compositeur, j'écrirai un opéra où l'action se déroulera en Lorraine. À mon grand plaisir. Et maintenant, passons au point. Il était une fois le petit chaperon rouge. Et je serai le grand méchant loup!